Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le référencement naturel et AdWords. On va voir comment tu vas pouvoir coupler les deux pour que les deux se boostent mutuellement avec des coûts moins chers et des résultats de plus en plus euh, mieux positionnés. C'est pas très français, mais t'as compris euh, sur ton site. Avant ça, tu connais le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description. Il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés s'il te plaît, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast comme celui-ci à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok Allez, on y va. Je vais dire un truc qui est tabou et tu t'es peut-être déjà posé la question de savoir pourquoi ça arrivait. Je vais te dire juste après de quoi il s'agit et je vais te révéler vraiment un truc qui, aujourd'hui, peut changer ton approche sur les, tes blogs, tes référencements naturels ou même sur AdWords. Tu vas voir, c'est assez, assez dingue. Alors, qu'est-ce que c'est Tu connais probablement euh, le magazine Forbes. Tu le connais, ce magazine Forbes T'as des gens comme ça qui sortent un peu de nulle part ou qui sont pas forcément multimillionnaires, voire peut-être ils ont même pas 100 000 euros sur leur compte, mais ils débarquent sur un site qui s'appelle Forbes.fr et il y a leur gueule dessus en mode article, en mode comme si c'était des PDG de multinationales, tu vois. Et donc toi tu dis mais c'est quand même dingue comment les mecs ils font pour passer dans Forbes. T'as beaucoup de youtubers qui se vendent de passer dans Forbes, etc. Et euh, c'est assez incroyable, mais tu dis mais c'est vraiment passer dans Forbes le type, tu vois. Alors t'as 80% des gens qui tombent dans le panneau, mais toi tu vas faire partie des 20%. Et ce que je vais te dire. C'est très simple. Tu peux aller voir Forbes.fr et leur demander euh, de faire un article sur toi. En vérité, ça a coûté 500 balles, je crois que de mémoire, c'est un truc comme ça. Je m'en rappelle plus. Je vais, j'ai pas, mis pas fait les mises à jour des prix euh, récentes, mais ça va, ça va entre 5 et 700 balles. Et tu fais ton article dessus. Il y a un, il y, a, il y a un article, des articles sur toi, je sais pas, euh, Martin. L'article sur Martin. Et euh, du coup, bah, Martin est passé dans Forbes, quoi. Tu vois, ouais, Donc déjà, ça une une autorité quand les gens te tapent. En plus, Forbes est quand même très bien euh, positionné. Et donc du coup, bah, dès que tu tapes ton nom, bah as un article sur Forbes, tu vois. Ah, Martin, on va taper Martin sur Google. Google. Oh là là, un truc de Forbes, incroyable! Mais euh, ça, il faut que tu le saches, hein. donc ça, ça s'achète. Hein. Il y a des gens qui achètent ça. Euh, c est, c est, voilà, désolé pour le, le truc, si jamais tu pensais que tu avais des gens que tu suivais ou quoi, qui, oh là là, étaient passés dans Forbes. Non, non, ils ont juste acheté l'article, hein, sache-le. Mais euh, en tout cas, ceux du, du SEO et tout le savent bien. Mais euh, ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est pas ça. C'est que faire ça, au-delà du fait de te la péter et de dire que tu es passé dans Forbes, il y a un vrai entrain à faire ça. Il y, y a une vraie pertinence à faire ça. La pertinence, c'est quoi? C'est que, évidemment, dans ton article, il y a un lien. Vers ton site. Et donc, Forbes étant un site d'autorité, c'est-à-dire qu'il a, qui a pignon sur rue, quoi, tu vois, donc bah, du coup, quand tu as des visites qui viennent de ce site vers ton site, et bah ton site, Google se dit, ah, il connaît des bonnes personnes, tu vois, et il connaît Forbes, qui est chez nous très bien réputé. Donc, ok, on va pousser, on va te pousser. Donc, du coup, ça permet d'avoir un vrai entrain sur ton site, et ça permet des fois de faire décoller ton site, tu vois, il ne suffit pas de faire que des articles hein, sur, ton, sur ton blog, mais euh, ça, en l'occurrence, ça marche merde. Donc, tu imagines 500 balles, déjà, t'es euh, bah, es bien positionné sur Google, sur Forbes, en plus, tu as une vraie autorité dessus, et en plus, ça booste ton site. Mais c'est pas tout. Il faut savoir que, euh, imagine Facebook. Facebook aujourd'hui, tu vas envoyer du trafic de Facebook vers Google. Ben, Google, on, on parle souvent de. Euh, on, attends, je vais te faire le truc différemment. Facebook, on dit souvent, faut pas que les gens sortent de Facebook parce que Facebook te pénalise. Vaut mieux qu'ils restent dans l'expérience euh, Facebook. Mais pense à Google. Quand t'as trop de trafic sur ton site qui vient de, qui vient de Facebook et pas assez de Google, est-ce que tu crois que franchement Google va plus te pousser en avant que si t'achètes des mots-clés sur AdWords et que tu pousses ton site Clairement, à ton avis, Google va privilégier plutôt que tu dépenses ton argent sur que l'AdWords ou sur Facebook Donc c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, imagine demain faire de l'AdWords euh, sur ton propre site, ça va faire, entre guillemets, décoller, alors excuse-moi le terme, c'est pas vraiment décoller, mais ça va te pousser le site vers le haut parce que achètes du Google AdWords sur ton propre site. Et donc du coup, si en plus t'as des sites d'autorité, et eh ben forcément tu vois, tu dépenses de l'argent, t'as des sites d'autorité, bref tu joues le jeu de Google en fait, tu donnes un peu ton argent à Google, donc Google va te récompenser. Je te, clairement je te caricaturise clairement le bordel, hein. mais c'est vraiment que tu comprends, vraiment, on dit caricaturise ou car... je te caricature le bordel C'est, tu vois, que tu comprennes bien qu'il y a des logiques comme ça qui existent. Et donc le référencement naturel et AdWords, ça marche vraiment bien, et euh, en fait AdWords pousse toujours le SEO quoi. Tu vois, et c'est toujours bon de pousser un peu des sites sur AdWords. C'est peut-être 5 euros par jour, tu vois, je sais pas combien as, peut-être 10 euros par jour, je sais pas combien tu peux mettre, mais tu vois, AdWords, le problème d'AdWords, c'est que tu passeras toujours en première position, même sur ton propre site, tu vois, c'est-à-dire, en achetant de l'AdWords, tu seras toujours avant. Parce qu'aujourd'hui, à part sur certains mots-clés, et je te donne quand même le truc, quand tu tapes certaines choses, des fois, vérifie si tu as toujours les des annonces. Et, essaie vraiment de prendre ce réflexe. Tiens, je tape un mot-clé sur Google, est-ce qu'il y a des annonces AdWords? S'il y en a pas, Dis-toi que c'est un mot-clé, une phrase ou un truc où tu n'as personne dessus. Et ça, c'est intéressant. Imagine maintenant un robot, là je le dis pour les plus techniques de, de ceux qui m'écoutent, imagine tu as un robot qui tape, euh, tu, tu sais pas, tu as des mots-clés dans, dans plusieurs feuilles, imagine il croise les mots-clés, où il va sur chaque mot-clé, etc. Et imagine sur chaque requête Google, il regarde s'il y a des annonces AdWords ou pas. Et imagine il te met dans un tableau toutes celles où il n'y a pas d'annonces de, euh, de, euh, AdWords. Et bien il te sort clairement une liste de mots-clés dans laquelle tu peux te positionner, qui va être niché. Alors nichée, ça va dépendre sur quoi donc toi si t'es pas si tu fais pas d'affiliation que ça ça va être compliqué tu vois si par exemple tu vends du café je veux dire c'est savoir que tu peux te positionner sur des pinces à linge ça va pas t'intéresser mais il y en a pour des dropshippers ou quoi qui va être très intéressé et ça c'est un système que personne pense à faire tu vois c'est très donc je te le donne c'est cadeau c'est gratuit et c'est vraiment pour te dire que c'est quelque chose qui marche bien alors évidemment je dis que c'est cadeau c'est gratuit pour les plus techniques ceux qui sont débutants vont dire ouais mais attends mais comment on fait ça clairement il y a des outils qui sont très évolués pour ça qui marchent bien mais c'est pas le sujet de la semaine c'est pas je parle pas d'automatisation je ferai peut-être des podcasts sur l'automatisation mais c'est vraiment technique donc on verra tout ça pour te dire quoi Je vais te dire qu'en fait, comparé à euh, Facebook, AdWords peut automatiquement te servir énormément. Parce que si c'est pas positionné sur AdWords, c'est probablement, probablement pas positionné non plus sur YouTube. Donc finalement, tu peux te mettre à créer du contenu ou à faire des choses comme ça ou des produits qui peuvent vraiment faire mouche par rapport aux mots-clés. Et euh, bah pose-toi vraiment cette question. Si t'es pas positionné sur les recherches, bah prends la place quoi. Parce qu'aujourd'hui, elle est dispo. Il y a tellement de recherches. Il y a de plus en plus de monde. Donc on dit, ouais, mais il y a de plus en plus de monde sur la boîte, donc c'est de plus en plus cher. C'est faux. Il y a de plus en plus de monde, donc il y a de plus en plus de produits, donc il y a de plus en plus de concurrence, mais plus au même endroit. Dis-toi qu'il vaut mieux 100 personnes lissées sur 100 sujets que 10 personnes sur un sujet. Ça paraît logique. Et ben bah, c'est exactement ça, AdWords Donc les prix baissent un peu, tu vois. Alors attention, les prix augmentent aussi. Moi je me rappelle à une époque j'achetais le mot-clé piscine euros. tu vois. <laughs> le clic, hein, 7 euros le clic, hein, s'il te plaît. Donc oui, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui euros le clic sur Facebook Finalement, enfin je sais pas combien tu payes ton clic sur Facebook, mais ça va dépendre. Il y en a qui payent le clic 3 centimes, il y en a qui le payent euros. Enfin tu vois, j'exagère, mais c'est pour te dire que ça va dépendre. Mais euh, la question c'est comment tu fais pour te placer sur des choses comme ça. Et donc, ce que je veux essayer de te montrer là-dedans, c'est que ouais, faire de la pub Facebook, c'est très bien. Tu vas faire des ventes et tout ça. C'est très bien pour des fenêtres, en fait. C'est très bien pour tout ce qui est page de vente euh, simple, etc. Mais si tu veux pousser un blog, fais surtout pas de pub sur Facebook. Ou alors, euh, attends, attends, attends je, re je recommence. Il vaut mieux faire de la pub sur AdWords que sur Facebook. Euh, tu peux faire de la pub sur Facebook, c'est même conseillé. Mais privilégie quand même AdWords, référence-toi dans les annuaires, etc. Parce que c'est quelque chose qui va permettre de pousser ton site. Maintenant, le hic de ça, de faire un article sur Forbes, imagine, euh, c'est que le jour où Forbes est considéré comme un site de mauvaise autorité par Google. Là, tu vas prendre une sacrée déchéance, hein. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça peut arriver, c'est comme ça que des fois les algos changent, et c'est comme ça que des fois il y a tout qui peut péter. Donc, être référencé sur Forbes, c'est pas un gage de qualité. Mais par contre, tant que ça l'est, c'est important d'avoir un lien qui pointe de Forbes vers ton site, c'est bien de faire un peu le plus bad words, et faire peut-être un peu de YouTube qui pointe vers ton site, etc. Et tu vois, tout ça, ça s'est un peu dénaturé. Parce qu'aujourd'hui on te parle de page de vente, de tunnel de vente, on te dit de faire juste une page, etc., etc. Mais, t'imagines le fric que tu perds. Franchement, pose-toi la question. T'imagines le fric que tu perds aujourd'hui de juste faire de la pub sur une page de vente plutôt que cette page soit liée à ton site tu imagines aujourd'hui, il y en a qui l'ont bien compris. Regarde bien, tes, regarde bien les web aujourd'hui. La plupart, hein. ils ont tous un site propre à eux. Et tu regarderas que leur pages, leur landing, leur machin, ils sont, elles sont toutes sur leur site. Compare ces gens-là à des gens qui commencent, à des gens qui voilà, et tu vas te rendre compte <laughs> d'un truc assez fou. Mais c'est qu'en fait, quand tu pubes que sur la landing page ou que sur la page de vente, et eh ben c'est très bien parce que tu fais des ventes, t'as as un ROI positif, tout le monde est content, bravo, félicitations. Enfin, donc quand même tu fais de la pub et tout ça, ok, ok. Mais ça, en fait, c'est tout quoi. C'est tout. C'est-à-dire le jour où tu peux plus puber, tu peux plus puber. Par contre, le fait de faire ces pages sur ton site, qui est lui-même un blog de ton site, etc. machin, et eh ben ça booste ton référencement. Et demain si, grâce à cette pub, en fait, tu la payes non pas pour avoir des prospects et ou pour faire des ventes, mais tu la payes aussi pour faire ton référencement. Donc du coup, dis-toi que peut-être qu'aujourd'hui tu fais de la pub juste pour faire une page de vente, pour vendre ton produit, tu vois, t'es peut-être dans le cas où euh, bah, as une page de vente, tu vends un produit sur je sais pas quoi, et derrière tu fais une page de vente, super, mais question, pourquoi t'as pas foutu ça sur ton site en fait parce que je suis sûr que si tu fais ça, t'as pas que des pages de vente, je suis sûr que t'as un site. Et donc pourquoi pas faire cette page sur ton propre site Alors tu vas trouver plein de raisons techniques, peu importe, mais je te dis, intéresse-toi à ça. Parce que finalement, le fait que tu payes de la pub aujourd'hui, si c'est sur ton site, ça va permettre de faire décoller un peu plus ton site, de le pousser un peu plus pour que les gens se référencent un peu plus. Et oui, t'envoies de la pub dessus, donc t'as du trafic qui est envoyé dessus. Donc si ton truc est intéressant, t'as un taux de rebond qui va baisser, tu vas avoir. Enfin, je te passe tous les détails, mais en gros ton site il va monter. Et aujourd'hui, le fait d'envoyer juste sur une page poubelle que tu vas jeter, ça sert à rien, tu vois. Ça sert vraiment à rien. Donc c'est dommage de te passer de ça aujourd'hui. Pose-toi vraiment cette question et tu vas te rendre compte à quel point il y a énormément de choses à faire sur ce genre de sujet. Et aujourd'hui, tu perds en fait de l'argent. Même si tu gagnes de l'argent, tu perds de l'argent. Donc c'est quand même hyper intéressant. Tu vois, de, de faire ce genre de, de choses. Donc écoute, je te laisse là-dessus pour vraiment te laisser réfléchir. Moi, je t'ai préparé une formation sur AdWords qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. C'est une formation où je t'explique énormément de choses. Je t'explique c'est quoi une landing page parfaite. Comment est-ce que tu vas pouvoir transformer à au moins 15% minimum tes prospects. Enfin de, de, de avoir des prospects tu sais, euh, de, qui déposent leur email, etc. Euh, je vais te montrer également comment euh, que, quels sont les mots clés sur lesquels tu peux te positionner. Peu importe les produits, peu importe les niches je vais te donner des techniques, je vais te donner des outils, je vais te donner des outils que j'ai créés. Hein, c'est des, des trucs que j'ai créés moi-même. Je vais te donner même des scripts pour aller plus vite. Des scripts AdWords mais pas que. Je vais te donner aussi mes propres scripts qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite. Tu vois avec, des, avec, avec les techniques que je vais exploiter, je peux pas te les donner comme ça, mais avec les techniques que j'exploite, je vais te donner des scripts, c'est juste à faire des copier-coller, en fait, c'est hyper simple, et je le fais avec toi. Bref, si tu veux faire décoller ton site avec AdWords, et donc du coup, accessoirement, le faire monter en référence pour naturel parce que tu as dépensé de l'argent chez AdWords, donc double effet qui se coule, et eh ben je te laisse prendre la formation dans la description, qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords, et puis ben, je t'attends de l'autre côté, je te dis à tout de suite.